Dans le monde, c'est la panique quand tout s'effondre. N'écoute personne d'autre que toi. Pour faire un choix, laisse-les parler. Oh, Papa Noël Sow et Mélanie et moi, ici Boukar Diouf, directement de son bungalow là, à Longueuil. Hey, papa, je sais, j'ai mis mon bogolan juste pour toi là, regarde. J'ai mis mon bogolan parce que je sais que vous fêtez l'anniversaire de la boutique, le premier anniversaire de la boutique d'art africaine à Rivière-du-Loup. On s'est vu deux fois, je le sais. Et je viens par ce message vous souhaiter longue vie, Papa Noël. Longue vie à cette boutique à Rivière-du-Loup. Tu sais quoi? Ce que tu fais, ce que vous faites toi et Mélanie, c'est extraordinaire. Parce que vous êtes en train d'africaniser l'Est du Québec. Et ça, c'est important. Parce que s'intégrer là, ce n'est pas juste venir là et devenir un Québécois 100% et perdre ton africanité. Tu embrasses la culture de Rivière-du-Loup et une fois que les gens de Rivière-du-Loup s'approchent de toi, tu les africanises. Et là, vous êtes en train de le faire merveilleusement là. Je suis sûr que dans 2-3 ans, je vais venir à Rivière-du-Loup où tout le monde sera habillé en bogolan et va jouer du tam-tam là. Et ça, ce sera grâce à toi, Papa Noël et à Mélanie et moi. Voilà. Je vous souhaite longue vie et j'espère un grand succès pour la boutique. Arrêtons-nous de chercher les problèmes. Arrêtons-nous de toujours répéter les mêmes scènes. N'écoutons pas les rumeurs et la haine. Agissons tous ensemble pour sauver la race humaine. Pas de problème, tout le monde, tout le monde. Cette humble paroisse, réjouissons-nous car le révérend Mathias et le pasteur Zip sont ici pour vous en cette sainte journée dominicale. Pauvres pécheurs que nous sommes, à quoi bon la douleur et la haine? Rejoignez vos mains, levez-les vers le ciel.
Bonsoir Papa Noël, Mélanie Aymon et au public basse Saint-Laurentien. J'aurais bien aimé être présent aux festivités du 23 mars à Rivière-du-Loup
votre événement coïncide avec un salon de l'emploi à Joliette où je dois assister en tant qu'agent régional d'intégration en entreprise et la modèle économique pour attirer, intégrer et retenir des personnes immigrantes dans la région. Je tenais donc à envoyer cette vidéo pour vous encourager dans votre noble mission que vous de vivre ensemble, que vous poursuivez depuis des années. Vous avez choisi cette année de mettre au premier plan le thème de la diversité culturelle et artistique. Vous démontrez ainsi que l'immigration ne remplit pas seulement une fonction économique et qu'il est important de mettre en évidence l'apport culturel à la société québécoise des comédiens et artistes issus de la diversité qui jouissent aussi d'une reconnaissance internationale dont bénéficie également le Québec. Papa Noël, vous faites partie des ambassadeurs de la régionalisation et vous êtes la preuve que l'immigration est une richesse pour la société québécoise et canadienne. Vous avez aussi démontré par rapport à des sensibilisations, à une couverture médiatique également, l'importance d'assurer une meilleure cohésion sociale entre tous et celles qui vivent également dans la société. Vous avez aussi assumé votre sentiment d'appartenance à la valeur, à une valeur commune également, qui permet aussi de pouvoir démontrer que vous êtes une preuve d'une intégration culturelle également réussie. Vous êtes aussi la preuve également que l'immigration aussi est une responsabilité partagée entre la société d'accueil et la personne immigrante. Je tenais aussi à dire un grand merci aux Bas-Saint-Laurentiens qui font de l'immigration une richesse pour leur société, pour la terre d'adoption également, mais aussi à tous les acteurs économiques, communautaires également, qui permettent à ces personnes venues d'ailleurs également de trouver leur place au sein en fait, de la société. Donc, je tenais également aussi en terminant à souligner aussi en fait l'importance de cette activité également du vivre ensemble et je souhaite la meilleure des chances à votre boutique qui constitue une rencontre entre l'Afrique et différentes cultures. Bonne soirée, merci beaucoup.